Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en cancer du 29 juin 2022 à 4h53, heure de Paris. Donc nous avons soleil là ici, conjoint lune en cancer, donc on a la lune en domicile, en cancer, hein, elle est chez elle. Donc une nouvelle lune indiquant l'été, donc on voit bien qu'on est dans l'été depuis le 21 juin, donc là comme une sorte de confirmation. Donc dans le signe du cancer, ça va être une nouvelle lune assez émotive. Donc on sera assez porté sur tout ce qui est en rapport avec la sensibilité. Tout ce qu'on rapport avec le cancer, donc la mémoire, les racines, le passé. Peut-être le côté un peu familial aussi. Donc les émotions seront peut-être au premier plan. Donc. Alors... J'ai mis juste la conjonction Soleil-Lune, hein, avec les axes des nœuds toujours en Scorpion-Taureau. Donc je vais mettre la suite des planètes. Alors ce qui est intéressant de voir pendant cette nouvelle Lune, qui va durer 15 jours environ, l'influence planétaire, on voit qu'il y a une conjonction aux Lunes noires en Cancer actuellement. Donc j'ai mis les trois Lunes noires, là on a la corrigée, la moyenne et la vraie. Alors certains astrologues utilisent soit juste la vraie ou la moyenne en général, ou les deux, mais moins la corrigée. Et moi j'ai mis les trois, bon voilà, après ça dépend de chacun. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait que tout ce qui aura rapport avec l'émotionnel, le passé, enfin tout ce qui va toucher le signe du cancer risque d'y avoir une zone d'ombre par rapport à ça. Donc il pourrait y avoir des problèmes par exemple... d'ordre un peu psychologique, enfin émotionnel, ça peut être des crises, ça peut être des manques, des problèmes de famille dans le pire des cas, ou après tout dépend dans quelle maison cela peut tomber dans votre thème, mais en tout cas voilà, il peut y avoir quelque chose de karmique, hein, toujours avec la lune noire, il peut y avoir quelque chose d'important qui peut se passer à ce moment-là. Alors encore une fois, tout dépend des aspects. Dans les bons aspects, on dit que la lune noire peut... être régénératrice, transformatrice, ça peut combler ou sublimer certains manques qui peuvent être plutôt bien vécus en fait. En mauvais aspect, en revanche, ça peut être des manques qu'on cherche à combler, mais voilà, c'est le puits sans fond, hein. La lune noire, on essaie de combler indéfiniment, mais sans jamais recouvrir totalement le puits, hein, ou le voilà. Et c'est l'attirance-refus, donc on peut avoir, si vous voulez, être attiré par ce côté passé, émotionnel, et en même temps le refuser. Donc on va continuer, on va voir ce que forme... alors sur un plan mondial, ça peut aussi correspondre, excusez-moi, à des problèmes de nation, parce que le cancer pense toujours à la patrie, la nation. Et donc, avec les lunes noires comme ça conjoint à la nouvelle lune, il pourrait y avoir... un début de crise au niveau du pays, alors c'est peut-être déjà le cas on va dire par rapport à ce qui se passe, l'inflation etc, mais l'économie, mais attention, ça peut être aussi comment dire, des pertes de territoire, des nouvelles annexions de territoire par exemple. Alors c'est pas forcément chez nous, mais c'est de manière générale. Et ça peut parler aussi de crise climatique éventuellement avec l'eau, hein, parce que le cancer est un signe d'eau. Donc, pourquoi pas, encore une fois, avec tout ce qu'on voit, les grêlons, les tempêtes qu'il y a assez violentes et soudaines un peu partout en France, ça peut éventuellement continuer. Donc, à voir. Donc, je vais continuer, je vais passer les autres planètes. Donc, j'ai commencé par Mercure, on va faire dans l'ordre. Donc, on voit que Mercure est en Gémeaux, là, 18,51 degrés, donc aussi en domicile, elle est chez elle. Alors on voit pas d'aspect particulier, on voit que voilà, Mercure se trouve ici, pour l'instant il n'y a pas d'aspect avec le Soleil et la Lune et les lunes noires là. Donc Mercure en Gémeaux en domicile, hein, on est beaucoup dans la communication, on recherche la communication, on peut avoir un esprit un peu plus vif qu'à l'accoutumée, donc là le Mercure s'exprime assez bien je dirais. Donc voilà, on communique aisément. On a à cœur d'échanger, on va dire, et de communiquer et de se déplacer. Alors les petits déplacements en Gémeaux, souvent on dit, hein, les allers-retours, tout ce qui est les contacts proches, ça peut être des voisinages, des cousins,
cousine, famille, avec le cancer, mais aussi le voisinage, tout ce qui est le contact proche. Ça peut être aussi le domaine des écrits, des médias, de tout ce qui aura pas que le commerce, les éditeurs, les littéraires, etc. Les journalistes aussi. Alors, je vais continuer. Donc, on va mettre Vénus. Alors Vénus, on voit, bon, comme j'en avais déjà parlé, Vénus est passée donc en Gémeaux aussi actuellement, donc toujours pareil, pas d'aspect particulier. Alors Vénus en Gémeaux, on dit que c'est une Vénus beaucoup plus légère, donc ça parle des sentiments. Là, les sentiments, l'amour se vit de manière beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger dans le sens. Le Gémeaux est plus volubile, donc il va rechercher des relations affectives. Avec cette Vénus en Gémeaux, beaucoup plus souple. Voilà, on est moins dans une lourdeur taureau, on veut s'enraciner dans un amour vraiment stable et constructif. Là, on peut, voilà, alors pas passer de l'un à l'autre, mais voilà, échanger avec beaucoup de gens, par exemple, ou parler beaucoup dans un couple. En plus avec Mercure, donc avec Vénus, on recherche en plus un peu de jeu aussi, de séduction, un peu de fantaisie, hein. On aime bien un peu ce côté joueur, hein. En Gémeaux, on est beaucoup plus léger, hein. Donc voilà, donc pour l'instant, je dirais, pour l'instant, voilà, il y a des aspects plutôt positifs. Alors oui, il y a un semi-sextile avec Soleil-Lune, hein, on ne le voit pas, hein. Il y a un semi-sextile ici, un aspect plutôt bleu, bénéfique, entre Soleil-Lune et puis Vénus. Mais bon, voilà, ça apporte des bienfaits aux relations, on va dire. Pour le moment, tout va bien. Ensuite, on continue. Mars. Alors, pareil, Mars, on voit ici, il est en bélier, aussi en domicile. Donc, encore une planète en domicile. Donc, Mars, c'est l'action, hein, l'action pure en bélier. Donc, là, on agit franchement, de manière directe, franche, voilà, sans trop se poser de questions. On est motivé par nos désirs purs, nos instincts purs. On peut voir également qu'il n'y a pas vraiment d'aspect. Alors, peut-être sextile aussi avec Mercure, mais il est un peu large. Donc voilà, l'action directe, franche, spontanée. Donc pas vraiment pareil d'aspect, donc je ne vais pas non plus trop détailler pour l'instant. Donc je vais continuer, on va passer à Jupiter. Alors ça y est, on commence à avoir des aspects. Donc là, je mets les planètes lentes. Je commence avec Jupiter en bélier. Donc toujours en bélier, hein, 7 degrés 19. Alors là, on voit, il y a un sextile à Vénus. Donc le sextile à Vénus apporte des bienfaits au niveau relationnel, au niveau des sentiments. Donc là, il peut y avoir un épanouissement affectif. Un épanouissement affectif dans les relations, dans les échanges aussi un peu. Alors, il est plus loin de Mercure, mais Vénus, lui, il est bien en sextile à Jupiter. En plus, c'est un sextile exact, hein, 7 degrés 16, 7 degrés 19, hein, pratiquement exact. Donc là, on peut vivre vraiment des relations chaleureuses, en amour. Ça peut être aussi de la générosité. Hein, avec Jupiter, en plus dans un signe de feu. Voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de marques d'affection, par exemple, mais plus au niveau des actes et des échanges, hein, signe d'air et signe de feu. En revanche, on voit un carré à Soleil-Lune, donc là, il peut y avoir des excès. Donc excès avec la Lune émotionnelle, excès d'assurance avec le Soleil aussi. Et puis avec les lunes noires, bon bah ça amplifie aussi un peu la problématique que j'ai parlé au début. Hein. S'il y a une problématique un peu de zone d'ombre, de problèmes émotionnels et familiaux, là c'est vrai que ça va être amplifié par Jupiter en bélier. Donc on peut faire beaucoup de, par exemple, de amplifier un peu exagérer, je sais pas moi, des problèmes, etc. Et sur un plan mondial, bah voilà, c'est toujours pareil, on peut avoir. Des problèmes d'ordre juridique mondial, avec des problèmes de frontières avec Jupiter, des problèmes au niveau des pays étrangers. Il peut y avoir voilà, des mésententes, voilà, comme j'ai dit, des problèmes qui parlent au niveau des frontières, peut-être des annexions de territoires, des choses comme ça, qui peuvent aussi être à l'ordre du jour, donc à suivre, hein, par rapport alors soit le conflit russe, ukrainien, là, ou autre. Donc je continue, ensuite on a Saturne. Alors Saturne lui est toujours en Verseau, il est rétrograde. Et là on voit, alors, il y a plusieurs aspects. Alors forcément il y a un carré nœud lunaire, donc ça c'est. Bon, ça parle par rapport à l'axe d'évolution, donc ça peut créer des blocages, on va dire, de manière générale. Alors
pourquoi pas les restrictions. On voit qu'on reparle à nouveau, que je vous ai dit, du Covid, on nous reprépare pour la rentrée. Hein. Donc on va voir ça, on va suivre ça. En revanche, il y a un trigone, on voit à Mercure. Il y a un beau trigone à Mercure là. Donc là, ça donne, si vous voulez, dans les échanges des échanges sérieux et pragmatiques. On essaye de trouver des façons pratiques comment dire, de mettre en place de choses sérieuses et pragmatiques. Alors en signe d'air, hein, c'est pas forcément hyper carré, mais ça peut être, comment dire, dans les échanges, des échanges assez, comment dire, concrets, entre guillemets, avec de la logique en Gémeaux, et puis Saturne pour des questions, on va dire, d'ordre social et puis collective. Donc là, il peut y avoir par exemple, des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc on peut, voilà, après avoir ce que c'est, hein, ça peut être plein de choses, hein, bien sûr, hein, au niveau mondial, ça peut parler je sais pas moi, des commerces, des rapports avec les médias, où on essaie de trouver certaines logiques, une certaine rationalité. Pour divers sujets. Alors c'est vrai que ça reste assez vague, forcément c'est des énergies très générales. Mais on est toujours sur Saturne rétrograde, n'oubliez pas, hein, pour établir des choses concrètes, c'est assez compliqué, on va dire, pendant cette période. Hein. Il faut revoir certaines choses au niveau de tout ce qui est durable. Donc voilà, c'est vrai que pour s'engager pour des choses durables, faut mieux éviter avec un Saturne rétrograde. Après tout dépend dans quelle maison et quel maître il est dépendant, mais voilà. Ensuite, on a un sextile avec Mars en Bélier. Donc là, c'est bon pour une action constructive. Donc à la fois, on part des idées constructives et en plus, on peut agir et ça donne des résultats entre guillemets, hein, des résultats concrets peut-être sur le moment. Après, sur la durée, c'est autre chose. Mais a priori, voilà, c'est plutôt positif. Et donc, bon, carré nœud nord, parce qu'il est carré au nœud sud, hein, c'est logique, ça fonctionne avec un axe par axe, donc en face. Voilà, donc ensuite je continue. On va tomber sur Uranus. En plus, Uranus, il maîtrise ce Saturne parce que Uranus, ça peut être du Verseau, et comme Saturne est en Verseau, on voit qu'Uranus, ici en taureau. Alors lui, il forme une opposition nœud sud, forcément, il est conjoint en nœud nord, il se rapproche. Alors, il n'y a pas d'aspect sinon particulier, donc. Uranus en taureau est toujours. Alors lui il est en chute par contre. On a eu des domiciles jusqu'à présent, donc Lune, Mercure, Mars, Saturne. Et là, Uranus lui il est en chute en taureau. Donc il y a toujours comment dire, cette déstabilisation avec tout ce qui se passe dans le monde, les restrictions, les imprévus au niveau l'inflation, l'économie, les matières premières qui flambent, enfin etc. Donc c'est vrai que tout ça déstabilise, et plus se rapproche du nord, plus pour moi il y a des événements importants qui se mettent en place. Alors on verra par la suite ce qui peut en être. Pour l'instant on parle que l'inflation continue, hein, donc on arrive à quand même une période assez critique, je dirais. Alors surtout la rentrée, je pense que voilà, ça va dès l'été là, on va avoir une conjonction assez exact, hein, entre cette planète et ce point-là, hein, du Nord. Et le carré donc à Saturne alors qui n'est pas encore effectif, mais qui se reforme petit à petit, et qui se reformera en fin d'année vraiment exact. Hein. Donc c'est là que on verra qu'il y aura à nouveau sans doute les restrictions, hein, de manière beaucoup plus visible. Ensuite Neptune. Alors Neptune, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc il est rétrograde. Alors j'avais dit que c'était une période souvent de réactualisation, de revoir un peu ses espérances, sa foi, son idéal. Souvent des périodes de mise un peu en retraite, de savoir un peu comment on conçoit un peu les choses, la vie, voilà, tout notre rapport avec l'impalpable qui est remis en question en fait, enfin qui doit être revu. Alors après c'est pareil, j'ai pas détaillé, ça dépend si dans quelle maison il tombe aussi chez vous. Donc si par exemple il tombe à l'ascendant, il faut revoir peut-être des questions au niveau de la santé qui peut être à l'ordre du jour. Ça peut être des problèmes un peu de santé qui à réactualiser, revoir aussi
au niveau du corps, donc du physique, il peut y avoir des choses à revoir, on peut être rempli d'idéal et puis de peut-être voilà, d'essayer de retrouver un semblant d'espérance, on va dire, pour certaines personnes, tout dépend des aspects, encore une fois. Ça peut être aussi voilà, des idéaux, des réactualisations au niveau peut-être aussi physique, vestimentaire, tout simplement. Après, ça dépend quelle maîtrise planétaire il touche. Voilà. Ensuite, c'est en maison 2, bah, ça peut concerner tout ce qui a rapport avec les finances, revoir un peu sa façon de gérer les finances, d'être moins. Comment dire, être une éponge, moins par exemple se faire avoir, ou être trop disponible, ou être trop généreux par exemple. Avec Neptune, on est trop, comment dire, dans le rêve, donc on peut se faire souvent flouer au niveau financier, donc revoir aussi. On peut avoir aussi de l'intuition, donc essayer voilà, de revoir tout ça. Alors, maison 3, c'est par rapport à la communication. Donc, peut-être revoir aussi nos échanges. Si on n'est plus sur la même longueur d'onde, par exemple, dans certains déplacements qui peuvent être assez prenants, comment dire, qui peuvent amener des désillusions aussi, surtout avec ces aspects actuellement. Donc, on voit un carré Mercure. Mercure, c'est le déplacement, donc là il peut y avoir des problèmes pour se déplacer ou de communiquer, ou on peut être déçu, on peut être un peu flou, on a du mal à s'exprimer clairement aussi, donc essayez de revoir tout ça. Donc surtout si ça tombe en maison 3, hein, que ce soit Neptune ou Mercure par exemple chez vous. En maison 4, ça va parler du domaine familial, revoir un peu sa façon de concevoir la famille, le foyer, comment on voit les choses, nos espérances par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, voilà, donc un peu voilà, un retrait à faire pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux, en attendant que ça réagisse au moment où Neptune reviendra direct, il se passera peut-être des choses à ce moment-là. Tout dépend encore une fois des aspects du thème de chacun. En maison 5, bah, tous nos rapports avec notre créativité, avec l'amour, les enfants. Il peut y avoir des problèmes avec des enfants, on peut être un peu fatigué, désillusionné. Un peu, voilà, un peu perdu aussi avec Neptune, hein, c'est le flou, hein, un mauvais aspect, donc on peut être perdu à tous ces niveaux-là. Essayer de retrouver un semblant de qu'est-ce qui peut nous porter et faire peut-être un peu un tri, un ménage quelque part. En maison 6, ça va parler du quotidien, du travail, de la santé, donc essayer de voir qu'est-ce qui peut poser problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on est un peu trop en part de surmenage dans le travail? Ça peut être ça, ça peut être un rapport avec le quotidien qui est un peu fatigant, un peu lassant, un peu désespérant. Donc essayer de trouver une forme de retraite qui peut nous apaiser. Par exemple, hein, on peut aussi, par exemple, pratiquer certaines choses, revoir un peu ses tâches ménagères, sa façon de concevoir le quotidien, quoi. En maison 7, bah, le rapport avec le couple, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui nous conviennent plus ou qui nous, pareil, qui nous font un peu perdre un peu le sens d'une certaine longueur d'onde dans le couple. Essayer de revoir nos rapports avec les autres qui peuvent être un peu éloignés en quelque sorte. Essayer de retrouver un semblant d'osmose. En maison 8, bah, ça va parler de tout ce qui a rapport avec les finances extérieures. Les secrets, les crises, enfin tout ce qui est plutôt caché, on va dire, enfin mystérieux, parce que caché c'est plutôt maison 12. Donc tout ce qui est en rapport, si vous voulez, aussi avec la sexualité, notre rapport avec tout ce qui génère une passion, tout ce qui génère quelque chose d'un peu occulte. Donc ça peut être des héritages qui peuvent être par exemple d'actualité, à l'ordre du jour, revoir un problème avec ça, s'arranger, essayer de trouver des solutions. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, peut y être aussi plus être en phase dans tous ces domaines. En maison 9, ça parle de l'étranger, de tout ce qui a rapport avec les législations, les voyages, les idéaux. Donc pareil, hein, essayer de revoir un peu qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous aspire, qu'est-ce qui nous porte pour trouver un meilleur semblant voilà, d'espérance. En maison 10, ça va par rapport avec la carrière, le professionnel. Tout ce qui est social, tout ce qui est extérieur. Donc, essayer de revoir un peu notre
notre façon de concevoir ces domaines. Mes 11, les amitiés, donc pareil, revoir un peu peut-être une période de retrait au niveau amical, faire le tri, trouver les vrais amis, ceux qui comptent, si on n'a pas trop de déceptions, voir quels sont aussi nos projets qui nous motivent, qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait, qu'est-ce qui nous porte vraiment, essayer de trouver vraiment un sens à sa vie en fait quelque part. Et c'est un peu lié aussi avec la maison 12, on pourrait dire. Mais c'est plus dans les domaines cachés, spirituels. Donc, qu'est-ce qui nous porte spirituellement? Ça peut être bien pour les musiciens, les artistes qui essaient de retravailler sur un projet. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et la santé, bien sûr, peut avoir aussi des problèmes de santé, peut-être des choses à réactualiser, des examens à faire, par exemple. Alors, 106, plutôt les examens, mais ça peut être dans les hôpitaux, des choses à régler. Donc voir, voilà. Donc là, j'ai voulu compléter parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé par rapport aux maisons la dernière fois. J'évite de faire de l'astrologie aussi solaire ou ce qu'on appelle d'ascendant, c'est-à-dire faire pour un peu tous les signes hein, cardinaux, parce que c'est trop général. Mais c'est vrai que bon, ça peut parler là, par exemple, pour les troisièmes décans, surtout Poissons. Alors des gens qu'on appelle en Poissons, par exemple, troisième décan, Sagittaire, Vierge et Cancer. Ce seront eux qui seront le plus touchés de manière assez difficile, sauf peut-être pour les poissons, troisième décan, tout dépend des aspects, et plus généralement positif pour les troisième décan, donc des signes de terre et d'eau, qui sont le Capricorne, Scorpion, alors sauf la Vierge. Alors j'avais dit Cancer, c'était Gémeaux tout à l'heure, la Cancer et Taureau. Donc s'il y a des planètes dans ces troisièmes décans, c'est-à-dire de 20 à 30 degrés, là, ça va être plutôt favorable, ça formera des bons aspects. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur Neptune. Alors c'était un peu long, alors veuillez m'en excuser, et je vais terminer sur Pluton. Pluton, puis je mettrai Chiron aussi, mais Chiron, moins important. Donc on a toujours Pluton aussi rétrograde en Capricorne, hein, ici. Donc on voyait toujours le sextile Neptune, aspect générationnel, hein, qui dure depuis des années. Le trigone au nœud nord et le carré à Mars. Alors attention, le carré à Mars, il est important là pour cette nouvelle lune parce que Mars carré Pluton, ça exprime les violences. Hein, Mars c'est l'action, Pluton en mauvais aspect, c'est la destruction. Donc attention dans l'action de ne pas être trop vindicatif parce que déjà que Mars peut être agressif, mais avec Pluton, c'est encore plus violent. On rajoute de la destruction, on rajoute voilà, de la violence. Hein, c'est vraiment un aspect de violence, Mars-Pluton. Donc attention à nos fréquentations, attention par exemple de ne pas se promener dans des quartiers louches le soir, des choses comme ça, hein, c'est un exemple. Donc on peut subir par exemple des viols, des attaques dans le pire des cas, et puis sinon il peut rien se passer, hein, tout dépend des aspects encore une fois du thème, mais ça peut être dangereux, un aspect comme ça, parce que c'est un aspect assez guerrier, assez destructeur. Donc au niveau mondial, bah forcément, ça peut parler de guerre, hein, ça peut parler encore une fois de violence, alors que ce soit au niveau climatique, économique, social, que sais-je, tout dépend après encore une fois du thème en question qui serait abordé, des maisons, etc. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour, donc je voulais mettre juste Chiron. Alors Chiron, lui, voilà, est toujours en bélier, hein, à 16 degrés, il forme toujours ce sextile. Alors ici, on voit Mercure actuellement. Donc là, on peut soigner, par exemple, grâce à des paroles, de la communication, des choses pratiques, du quotidien. On peut régler des choses dans les soins, on peut guérir des blessures, mais surtout à travers la parole, par exemple, hein, Mercure. Bon, c'est un exemple, après, c'est pas vérité pour tous, hein, forcément. Hein. C'est très général, tout ça. Alors, ensuite, si je mets le thème de nouvelle lune, vous voyez, on a cette figure-là, donc il est plutôt, ça va, il est plutôt correct. Alors c'est vrai que, sauf la nouvelle lune qui est plutôt mal inspectée avec Jupiter, hein. Donc attention aux excès, on va retenir, et un peu aux violences, dirons-nous. On va dire ces deux gros aspects qui ressortent. Donc faire peut-être attention pendant cette période, alors selon le thème de chacun, encore une fois, pendant ces 15 jours-là, avant l'été, hein, avant le rush des vacances. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je voulais terminer sur autre chose qui n'a rien à voir. J'avais parlé hein, en astronomie du fameux grand alignement du 24-25 juin, là, même 26, sur la parade planétaire qu'il y a dans le ciel, un alignement alors astronomique cette fois, c'est pas de l'astrologie, parce que si on regarde par rapport à l'astrologie comme ici présent,
Donc bon, si je reviens un peu en arrière, je mets, on va dire, la date du 26 ou du 25. On voit pas d'alignement planétaire, hein, vous voyez. Vu de haut, imaginons on a la Terre, donc on voit le zodiaque autour et les planètes autour. Selon la vision qu'on a, c'est vrai que c'est complètement différent. Donc là, il n'y a pas d'alignement planétaire, on va dire, que l'on peut voir en astronomie. Alors, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un demi-cycle au niveau du zodiaque planétaire, c'est-à-dire qu'on voit que la moitié du zodiaque est remplie de planètes, hein, du Capricorne au Cancer. Donc on peut parler d'alignement dans le sens que bah, la moitié du zodiaque est remplie, mais c'est pas un alignement, un vrai alignement astrologique. C'est quand, en gros, c'est les conjonctions. C'est quand plusieurs planètes sont conjointes. Hein, par exemple, si on prend, je sais pas moi, ici le Soleil, et puis on met toutes les planètes conjointes au Soleil, oui, là on parlerait d'alignement planétaire au niveau astrologique. Donc c'est important de faire la distinction. Donc maintenant, je vais vous montrer en astronomie via le logiciel Stellarium ce qu'est un alignement astronomique. Donc voilà, donc je vous ai mis le logiciel Stellarium avec, vous voyez ici la bande de l'écliptique, c'est écrit écliptique ici. J'ai mis une bande de l'écliptique au niveau céleste. Donc on voit, comme vous pouvez le voir, Mercure qui est proche de la bande, qui se trouve ici, hein, Vénus. Qu'on voit beaucoup mieux, la Lune, la plus proche, Mars, Jupiter. Alors il y a Neptune entre deux, mais elle est tellement loin qu'il faudrait que je zoome. Voilà, et Saturne. Et il manque Pluton. Alors Pluton est beaucoup plus loin aussi, on ne la verra pas. Voilà, donc ça c'est vraiment l'alignement qu'on parle d'un point de vue géocentrique, hein, du point de vue de la Terre. Mais si on prend au niveau par rapport à l'écliptique, c'est-à-dire que si on se positionne. Au niveau de l'orbite planétaire, ben, ils ne sont pas du tout alignés. Hein. C'est vraiment une vue terrestre, on va dire. Alors, est-ce que c'est une importance par rapport à des prévisions astrologiques ou... Alors là, j'en sais rien du tout, je ne peux pas vous dire. A priori, non. Il n'y a pas de quelconque incidence. En tout cas, c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce qu'un alignement aussi proche, on va dire, n'arrive pas apparemment souvent. Hein, je crois que la prochaine, c'est, j'avais mis ça en 2100 et quelques, 140, je sais plus combien. Donc c'est pas tout de suite qu'on aura toutes ces planètes-là alignées. Alors ça arrive souvent qu'il y a des planètes qui sont alignées, plus ou moins un certain nombre. Hein. Il peut y avoir Mercure, Vénus, Lune souvent, ou Mars. Mais avec les planètes lentes, ça, voilà, c'est peut-être plus rare. Donc par exemple, là, si, c'est vrai que Neptune, là, je l'ai pas mis, mais là, on voit d'autres étoiles, hein, comme Capella, ou les Arietidar, ça c'est d'autres... Vous voyez, c'est des pluies de météores, ça. On peut voir aussi des pluies de météorites ou de. Voilà. Souvent l'été, hein, on a des géminides, des choses comme ça. Alors ça, c'est plus à la rentrée. Les aquarides, enfin, etc. Donc si je mets. Alors c'est quoi que je voulais mettre? Ah oui. Si je recherche, donc, par exemple, Neptune, vous voyez, il me la place ici. Sauf qu'on ne la voit pas. Elle est trop loin. Parce qu'elle est beaucoup plus loin dans le système solaire, donc il serait obligé de zoomer. Vous voyez? Et là, on voit un petit point bleu qui apparaît. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas facile, hein. Pas facile de voilà. Et Pluton, bah pareil. Hein. Si si je vous mets Pluton, il est carrément. Alors je sais même pas où il est d'ailleurs. Il me l'a placé. Pardon. Ouais, il est là, Pluton. Mais alors on le voit même pas. Je peux pas la zoomer, elle est beaucoup trop loin. Voilà. En tout cas, on sait que Pluton est dans cette zone-là. Voilà. Donc voilà, bah, c'était vous parler de ça. Hein. Il y a les Sutides de juin, je connais pas tout. Hein. Ophiuchide. Ça c'est par rapport à la constellation d'Ophiuchus, forcément. Hein, si j'enlève la Terre. Voilà, en pleine nuit, voilà, on voit plus les étoiles en pleine nuit, on se rend plus compte. Hein, et je peux mettre même les constellations du zodiaque si vous voulez. Vous voyez, on voit ça traverse les constellations du zodiaque. Hein, avec les signes, on voit Verseau, Capricorne, Sagittaire, et le Scorpion. Jupiter ici, alors vous voyez, il y a un décalage, hein, c'est ce qu'on appelle l'astrologie sidérale. Hein. Jupiter, là, il n'est pas en bélier, il est dans la constellation des poissons. On a Mars aussi en poissons. Vous
Hein? Et pas en bélier. Bélier, c'est ici. Donc c'est ce qu'on appelle le décalage, hein, l'appréciation des équinoxes. C'est pour ça qu'il y a de l'astrologie sidérale et de l'astrologie tropicale. Moi, je sais pas l'astrologie qu'on voit par rapport aux constellations du zodiaque. Hein. Moi, je fais l'astrologie par rapport aux saisons, complètement différent. Donc là, par exemple, on a toujours par exemple Vénus ou Mercure en Taureau, hein, dans l'astrologie sidérale, alors que dans l'astrologie, comme je vous ai montré précédemment, tropicale, Mercure et Vénus se trouvent dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire ici. Mais c'est pas par rapport à ces constellations-là, c'est par rapport aux saisons. Donc c'est complètement différent. Vous voyez, puis on a un soleil là qui arrive en Gémeaux, alors que nous, actuellement, on est dans le Cancer. Voilà, il y a un signe de décalage. Voilà. Cancer, Lion, Vierge, Balance. Voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est les constellations du zodiaque, puis il y a toutes les autres constellations dans le ciel. Voilà. Bon, voilà, c'était un petit aperçu. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.